Flash News, priorité news. Bonjour à tous, c'est Nubes, excusez-moi pour la petite fantaisie. Hein, ça c'est BF, ça c'est Call of. Non, je déconne, c'est du troll, hein. C'est du troll. Bref, nous avons des informations sérieuses à propos de Battlefield 1. Nous avons déjà une nouvelle image qui est super belle, super classe. Si vous le souhaitez en fond d'écran, eh bien le lien est en description pour la télécharger en HD. Nous avons aussi un événement, là on a plein d'informations. Battlefield Squad, c'est un live stream de BF1 en direct lors de l'EA Play le 12 juin, ça se passera à 14h PT, donc je crois que c'est Pacific Time. Je vous laisserai vérifier les horaires, de toute façon on en saura plus d'ici là. Qu'est-ce que c'est donc? Un live stream avec 64 joueurs sur BF1 avec deux grosses équipes. Nous avons la team Noobs, c'est drôle, c'est presque moi, sauf que c'est pas moi du tout, hein. C'est un autre youtubeur qui fait Battlefield Friends, une super série. Franchement, les BFFS, si jamais vous voulez voir, c'est excellent. On retrouve Jack Frag, Level Cap, un des gros youtubeurs BF anglophone, et d'autres que je connais un petit peu moins. Et nous avons la team Stone, de Stone Mountain, un youtubeur qui fait pas mal de top 5 et tout, WX9 que vous connaissez, un francophone, et d'autres mecs que je connais un petit peu moins. Bref, il y aura ces deux équipes-là qui vont jouer l'une contre l'autre. Et pour ceux qui me posent déjà la question à peu près 150 000 fois, non, moi je ne sais pas, je ne suis au courant de rien, je ne savais même pas que c'était prévu. Et je suis invité à l'EA Play, donc je pourrai jouer à BF1, je filmerai pour vous, je vous donnerai tous les retours nécessaires, comptez sur moi. Mais non, je ne fais pas partie des équipes qu'ont ici, le seul francophone du coup ce sera WX9. Et je n'avais pas d'infos avant, voilà, donc je suis désolé. Je suis déçu. Non, bah, ils ont sûrement leur raison, je pense qu'ils veulent mettre en avant ceux qui ont beaucoup d'abonnés et tout, j'imagine, donc je sais pas. J'en discuterai avec eux si, quand je les recroise à l'EA Play, mais en tout cas, moi j'y serai et je vous filmerai tout ça, vous pouvez compter sur moi. Autrement, une info qui sort un peu du lot, mais qui m'a tellement fait rire, que j'ai tellement aimé, je vous le montre, je vous laisse apprécier. C'est un bateau de croisière qui reprend le thème de Seven Nation Army, donc le thème qu'on a retrouvé dans le trailer de Battlefield 1, et c'est juste épique. Je vous laisse écouter. Bref, sur ces bonnes paroles, merci à vous tous, je vous dis bye bye, c'était Nubes, et à la prochaine.